Cinq songes qui montrent que tu as une très grande destinée. Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royale Kialamumpay. Eh bien, comme je disais, cinq songes qui montrent que tu as une très grande destinée. Il y a beaucoup de songes qui montrent que tu as une très grande destinée, mais moi dans cette vidéo, je vais énumérer que cinq songes. Et alors, sans plus tarder, je vais commencer à énumérer ces songes. Les premiers songes qui montrent que tu as une très grande destinée, c'est quand tu rêves que quelqu'un est en train de te faire porter la couronne. Quand quelqu'un te fait porter la couronne, ou soit toi-même, tu es en train de mettre la couronne sur ta tête. Sache que tu as une très grande destinée. Du coup, comprends que Dieu t'a appelé à de grandes choses. En fait, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Quand tu as ces genres de songes, je t'en supplie de ne plus jamais te négliger si tu t'es négligé avant. Sache qu'en toi, il y a de grandes choses. Sache que Dieu va faire de choses extraordinaires avec toi. Sache que tu es un instrument que Dieu va utiliser pour sa gloire. Donc, quand tu fais ces genres de songes, sache que tu y as une très, très grande destinée. Et le deuxième songe, c'est quand tu rêves, on t'est fait porter la chaîne en or. Ou soit toi-même, tu es en train de porter une chaîne plutôt, excusez-moi, une chaîne en or. Tu es en train de porter une chaîne en or, ou soit quelqu'un te fait porter une chaîne en or. Sache que tu as une très grande destinée. Tu es en train de porter un bijou, un collier. Donc quand tu vois des bijoux, tu vois une chaîne en or, sache que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Sache que ta destinée, elle est grande. Que Dieu va accomplir des grandes choses avec toi. Donc, quand tu fais ces genres de songes, que tu es en train de porter une chaîne en or, ou quelqu'un te fait porter une chaîne en or, sache que tu as vraiment une destinée remplie de bonnes choses. Quand toi, il y a des choses qui vont vraiment attirer l'attention des autres. Donc, tu as des choses des dieux en toi. Tu as des choses des dieux qui va se manifester à travers de toi. Le troisième songe, c'est quand tu rêves de poisson. J'aime le poisson, j'aime manger le poisson, moi. Hein? Quand tu rêves de poisson, dans ton songe, tu vois beaucoup de poissons. Tu te trouves dans un endroit où il y a beaucoup de poissons, où tu es dans une pièce. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de poissons dans cette pièce. Sache que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Sache que tu as une très, très grande destinée quand tu vois des poissons dans ton songe. Quand tu vois beaucoup de poissons, du coup, il faut comprendre que tu as une très grande destinée. Et le quatrième songe qui montre que tu as une très grande destinée, quand tu te vois en train de prêcher la parole de Dieu, ou tu te vois, tu es dans un groupe de gens, c'est toi qui diriges ces gens-là, ou soit tu es en train de lire, tu as la Bible, tu es en train de lire. Et devant toi, il y a des gens. Toi, tu as la Bible entre tes mains. Tu es en train de lire, ou tu es en train de prêcher, ou tu es en train de diriger un groupe. Sache que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Du coup, comprends que tu as une très grande destinée. Même si au quotidien, tu ne vois rien, rassure-toi que tu as une très grande destinée. Et le cinquième songe qui montre que tu as une très grande destinée, c'est quand tu rêves ou tu fais des songes que tu as avec des stars, de personnes qui sont célèbres, de personnes qui sont connues, que ce soit un pasteur, un chanteur, voire même un musicien mondain, quelqu'un qui est célèbre, que le gens parlent de lui.
Quelqu'un qui a un nom grand. Quand tu vois dans tes songes que tu y es entouré, ou soit tu es en train de discuter avec cette personne, sache que tu as une très grande destinée. Sache que Dieu t'a appelé à de grandes sons, à des grandes choses, excusez-moi. Quand tu rêves que tu y es avec quelqu'un qui est connu, avec une personne qui est célèbre, avec une personne que tu suis à la télé, ou soit à travers des réseaux sociaux, sache que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Sache que tu es une grande personne. Et alors, si tu as ces jars des songes, si tu te retrouves dans ces cinq songes qui montrent que tu as une grande destinée, je te demande de pouvoir changer ta façon de voir ta vie. Comme je disais tantôt, même si au quotidien, tu ne vois rien, tu as des difficultés financières, et les gens qui ont une grande destinée sont des gens qui sont beaucoup plus combattus. Peut-être tu vas te dire, oui, c'est vrai, dans mes rêves, je vois toutes ces choses que tu viens de d'énumérer, mais ma vie, elle est vraiment rien. Sache que Dieu est en train de te préparer. Parce que les gens qui ont une grande destinée, ce sont les gens qui ont beaucoup plus combattu. Tu verras que dans ta vie, tu as des difficultés. L'argent est quelque chose que tu ne touches pas facilement. Les gens te rejettent. Les gens te détestent pour rien. Les gens te font du mal. Et tu t'es dit, pourquoi est-ce que le Seigneur permet toutes ces choses? Toi-même, tu sais que tu as un bon cœur. Mais malgré ton bon cœur, malgré ce que tu y es, tu es une bonne personne. Mais les gens te font souvent du mal. Sache que tu as une très grande destinée. Et alors, je suis venue te rappeler que tu as une très grande destinée. Surtout si tu fais ces jars de songes. Comme je disais au début, il y a beaucoup de songes qui montrent que tu as une grande destinée. Mais moi, j'ai énuméré que cinq. Si tu te retrouves dans ces cinq songes, sache que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Sinon, je vous dis merci de m'avoir suivi.